Madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans notre journal spécial. C'est là, journal nous présenté en collaboration avec VOA Creole depuis Washington, D.C. Actualité concernant le pays d'Haïti, divers acteurs politiques continuent à manifester des accords gagnés avec la position CARICOM gagnée dans la crise qui a traversé le pays d'Haïti depuis après Premier ministre Ariel Henry Tefin annoncé la première démission. Automatiquement, gagné un autre gouvernement qui paraît pour prendre place là. Eh bien, autorité CARICOM yo t'a pral pren décision pour yo mande proposition qui sorti bon côté acteurs politiques yo nan pays d'Haïti. Plus passe yon douzaine proposition t'a pral rive jwenn autorité yo nan CARICOM et finalement yo t'a pral opter pour proposition ça que parti politique aidé te voye aller côté yo te opté pour un conseil présidentiel 7 membres qui t'a pral gagner tout et 2 membres comme observateurs. Au total, c'est à 9 moun qui nan conseil présidentiel si la, eh bien, acteurs politiques yo continue à manifester des accords yo gen ak position sa, kote an pil moun kweke sa li pa pote an yen de bien pou pays d'Haïti, kote mesdames et messieurs, pays d'Haïti ap konnen yon crise la, économiquement parlant, li pral kote pays a an pil bagay nan pale de conseil présidentiel sa, jodi a encore divers acteurs politiques te descendre sous béton pour te vraiment manifester mécontentement face avec position autorité CARICOM yo gagnent dans ça qui gagne pour à crise pays d'Haïti. J'aime soudia côté opté pour un conseil présidentiel qui gagne 9 membres au total, 7 présidents et 2 observateurs. Donc situation ça qui lagué en pile tête chargée et crise là selon en pile acteur l'ipoko a fini ses positions Moïse Jean-Charles ak Réveil National qui déjà vraiment manifesté désaccord depuis bien avant ak position CARICOM lan côté eux même yoté opté pour un conseil présidentiel qui gagne 3 membres là-dedans parmi eux Guy Philippe ak magistrat Durin et Durin Junior vraiment qui dans CSPJ qui représentait la cour d'appel et bien vraiment ancien leader parti ancien candidat à la présidence lan Moïse Jean-Charles l'ité opté vraiment pour ces 3 moun qui ta nan conseil présidentiel là, eh bien autorité CARICOM yo pas décidé pour rentrer dans logique ça, c'est 7 moun yo d'accord, ça qui la cause gros parler en pile dans pays d'Haïti. Eh bien faut que nous disons dans ça qui gagne pour à conseil présidentiel accord 21 décembre qui t'ai gagné pour optique pour te choisir yon président pour le voyer dans conseil ça accord après plusieurs négociations yo fait entre eux même yo pas arrivé yon entente pour te voyer yon grand moun nan conseil ça yo t'a pral fait choix 3 moun qui te eh bien Vickerson Gagné ak ancien député Levaillant Louis Jeune et puis Charles Tadieu eh bien finalement yo t'a pral voyer 3 noms by CARICOM CARICOM qui t'a pral retourner et vraiment position ça pour dire li pa nan 3 membres c'est un seul c'est yo pour choisir et jodi a encore t'a pral gagner gros rencontre Charles Tadieu lui-même li retire kol pour le bail et Vickerson Gagné place là mais finalement c'est deux noms qui retournent à jeune CARICOM CARICOM encore une fois refusé pour ces deux noms qui viennent joindre li ba yo yon dernière chance pour yo choisir yon grand monde pendant li promettre a gagner yon rencontre avec accord 21 décembre pas plus tard que à soir à même pour yo connait comment dossier ça l'a fini parce que vraiment là c'est Vickerson Gagné qui choisit pour que l'État nan conseil présidentiel là ak et Levaillant Louis Jeune qui c'est deux anciens députés. Gagné l'autre point dans actualité a Premier ministre Ariel Henry qui toujours a connait yon mauvaise situation dans pays Porto Rico côté yon groupe étudiant décidé pour y ap chercher Premier ministre nan dans pays si là qui c'est Porto Rico précisément dans capitale là côté Premier ministre nan lui-même li obligé rete dans campé loin à cause attaque qui gagne dans pays d'Haïti depuis un bon bout de temps côté ti monsieur Arméo qui regroupe tête yo en bas non vivre ensemble yo déterminé pour yo pas quitter Ariel rentrer dans pays d'Haïti n'a pas rappelé Ariel Henry par un dans un conseil des ministres li t'a dirigé par conférence vraiment par visioconférence li t'a pral prend et décision et bien pour que lui-même li fait connait la remettre démission automatiquement
y a l'autre gouvernement monté, mais en attendant, il y a liquidé affaires courantes dans le pays d'Haïti. C'est optique ça qui fait gagner marché précis ça pour mettre un conseil présidentiel dans tête pays. Donc, situation qui est vraiment compliquée et nous t'étendons des déclarations Moïse Jean-Charles avec divers autres acteurs politiques qui même pas opté pour conseil présidentiel que CARICOM livré imposé à la. Nous prenons invité pour tant de plus avec VOA Creole depuis Washington, D.C. Ancien président Donald Trump, à condition de retirer ancien ménage li dans l'équipe avocat gouvernement. Classe politique là, dans le pays d'Haïti, pas d'accord à 100% pour opposition CARICOM fait pour un pouvoir à deux têtes du GPIA avant l'élection générale. Et puis toujours dans le pays d'Haïti, inconnu, pillé et puis boulé résidence directeur police nationale là, France LB. Oui. C'est grand point cap dominé actualité à nous va développer pour avec l'autre information encore mais grand point cap dominé actualité à ces nouvelles qui se tiennent en état Georgie côté juge cap présidé procès cap déroulé contre ancien président Donald Trump sous ingérence ou bien sous effort que il t'a fait pour te affecter ou bien encore pour te déranger résultat élection 2020 ben juge l'a décidé que et district attorney ou bien les avocats ou bien commissaire gouvernement et arrondissement Fulton, eh bien Fanny Willis, est capable de retirer dans le procès, mais avec une condition que lui retirer dans l'équipe cap défendre gouvernement, ancien ménage lui, qui est Nathan Wade, qui, quelques heures après, décision du juge là, M. Tou, by démission, en adjoint Jean-Marc Hervé Abela. En 2022, juge état Georgia Scott McAfee cap supervisé jugement ancien président Donald Trump là qui en bas accusation comme quoi il t'a essayé renverser résultat élection 2020 aux États-Unis. Juge l'a déclaré vendredi 15 mars 2024 là. Procureur Fanny Willis capable continuer travail sur dossier ancien président Donald Trump là mais faut qu'il retire adjoint Lyon dans équipe avocat gouvernement. Décision juge McAfee a représenté un soufflette pour ancien président américain Donald Trump qui c'est actuel candidat pour poste à président en bas la bannière parti républicain. Monsieur Trump t'a cherché retard de jugement ça dans quatre dossiers criminels l'a confronté avant élection mois novembre 2024 là. Décision juge McAfee mettait deux mois la trouble pour procureur district comté Fulton nan, Fanny Willis qui était gain relation amoureuse avec Nathan Wade procureur et spécialité nommé pour diriger Cassila. Avocat défenseur te dit relation ont posé conflit d'intérêt parce qu'elle était enrichi Willis ak Wade. De messieurs Damio te prend vacances ensemble pendant Wade ta pas collecté yon salaire dans gouvernement. Juge McAfee te dit li pa jwenn aucun conflit d'intérêt dans dossier mais li mande procureur Willis pour éviter toute bagay qui ta kala venir sous procès la mené contre ancien président républicain Donald Trump. Jean-Marc Hervé Abela, Washington pour VOA Creole. Merci Jean-Marc Hervé Abela. Alors faut nous dire que juge la te bayon dans déclaration que juge la te fait ben il te bayon alternative tout. Il te dit soit et soit ça veut dire qu'il te dit soit et madame Willis à l'école ou bien encore avocat et qui dans tête équipe gouvernement on a parlé de Nathan Wade à l'école. Donc c'est you know lot les éditeurs de pas carité pour conflit à cause d'un conflit ça t'a semblé un conflit d'intérêt. En tout cas dans démission que monsieur avocat maître Nathan Wade li bay quelques heures après et ben il expliquer il dit que c'est dans non démocratie il prend décision ça pour à l'école et quitter madame Willis et pour continuer et jugement bien encore action en justice y a mené contre ancien président Donald Trump, nous rappelons qui lui-même t'a fait effort pour te changer résultat élection et novembre 2020 en faveur. Et nous, c'est pas seulement là, il y a tout Washington DC qui lui-même tout, dans même page là tout, on possède tout, il a bien tenté contre ancien président Donald Trump. Mais nous rappelons tout qui c'est candidat actuel, qui candidat pour une nomination et qui fait qui déjà presque une nomination parti républicain. Hein? Donc lui-même lui dit que lui l'a mené et lui paraît pour lui et prendre tête parti républicain hein, dans l'élection novembre 2024 qui pourra longer entre lui-même avec ancien avec le président sortant on a parlé de Joe Biden. N'a quitté Washington DC pour nous aller directement dans San Juan Puerto Rico côté nous gagner et envoyé spécial nous Valérie Saint-Louis qui sous place qui seulement a mené la chasse
pour le West côté le Cajun et premier ministre ancien avec premier ministre démissionnaire Ariel Henry, mais tout a cherché rencontrer avec communauté haïtienne dans état avec dans état associé américain ça et Puerto Rico. Valérie, bonsoir, comment est-ce? Bonsoir Jean-Aubert, effectivement, mais on est sur place dans San Juan Porto Rico, côté de l'autre d'Italia là. Nous avons cherché où est-ce qu'il était capable finalement de rencontrer avec le ministre Ariel Henry, qui est toujours San Juan Porto Rico, d'après les correspondants dans la Maison Blanche, c'est Waterloo, il était posé des questions et la Maison Blanche répondit officiellement le ministre Ariel Henry, toujours San Juan Porto Rico. Mais en tout cas, que nous parlions de parler avec le ministre, et bien, nous rencontrons la communauté haïtienne. Et dans la communauté haïtienne de San Juan Porto Rico, il y a un leadership religieux qui émergeait dans la ville. Ça, c'est que nous rencontrons avec Père Olé Pierre-Louis, qui est même mis à la tête de paroisse Saint-Mathieu. Il y a la tête de paroisse depuis 15 ans, imaginons Jean-Aubert, et dans 15 ans, ça a été la communauté de paroisse, il a été supporté pour se passer 25 000. Et bien, dit, migrants haïtiens qui prennent la mer, qui viennent ici dans San Juan Porto Rico. Je vais parler ensemble avec Père Olé Pierre-Louis. Bonne Améo, saccagé région métropolitaine Port-au-Prince-Lan, côté. Je m'appelle des immigrants. Je suis sorti bien loin, dans Grand-Anse. Je ne sais pas si je suis arrivé là à Porto Rico. Je suis toute l'année, mais c'est là, bon Dieu, vous voyez. Je suis toujours continué à travailler avec les immigrants. Je me sens que je suis content les immigrants. Parfois, ils rentrent avec une petite valise remplie de rêves. Il faut gagner car, il faut marier, il faut gagner machine, bagay pas de jambe capable réaliser en Haïti. Le rivé là mes déo yo connu yo le rivé Miami, rivé Washington, moi là tout, yo dit mon père, c'est grâce à vous même nous rêve nous commence à réaliser. Nous sommes senti content. On s'est recevra nous très bien que les aide nous en pile en plaisir bagay, à tout à manger, tout bagay nous besoin de aider nous. Notre le gars passé pas dominicani, moi de pas Puerto Rico. Alors là, son résolué, et la paix a recevoir tout haïtien. Et là, nous tout gonfler nous là, bon, si nous sommes là avant le salon de l'église, nous avons de côté toute population là, est venue. Est venue quand nous recevons, elle est nous dormir. Moi-même, ma mère là depuis 2014. Moi-même, quand je prends la mère, je quitte 6 petites. Je ne suis toujours pas entré. C'est un peu bon, je ne suis pas entré. Mais Jean, il est difficile en Haïti. Nous changeons notre président, il dit, nage pour nous sortir. Il est difficile. Ou qu'on est valélo, qu'on va être difficile. Dis non, c'est pas ça qu'a fait. Même pour moi, je ne comptais pas entrer. Parce que c'est un JJPP, tant qu'on dit en Haïti. Je le passe, le passé. Moi-même, pour moi-même, tout le temps, je ne vais pas venir. C'est difficile. Parce que c'est. Ou bien 60-70% pour le monde. Ça a besoin de mettre les pays en paix pour nous vivre. Parce que nous bouquons. Hein? Nous bouquons. Hein? Nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas continuer encore. Moi-même. Baka tourner pour ma tout cœur pour ma grandance pour ma bien pour ma manger mango manger cosol hein. Alors Valéo, et alors en général en gros si on regarde pendant toute visite sans faire ou sorti Porto Rico ou de Porto Rico ensuite ou t'es allé ou t'es allé en l'autre côté tout pour t'aller couvrir l'événement, c'est ça Kingston Jamaï qui j'ont ouais communauté haïtienne dans Porto Rico jusqu'à présent qui a regardé qu'ils a même sous ta résolu en gros dans ça qui contendait déjà sur la situation pays d'Haïti avec premier ministre Ariel Henry qui personne va en côté lié. Oui, en effet, et personne pas contre côté lié, mais officiellement le dit le fait de voir que connaît que premier ministre Ariel Henry lié dans un lieu sécurisé. Donc c'est ça que nous disons comme information, nous n'avons pas plus d'informations pour ça, puisque nous n'avons pas d'informations ça. Ils ont lieu sécurisé, mais la communauté a reçu des questions là. Et n'importe où, par exemple, ils ont peut-être qu'à parler même gens avec Père Olin, Pierre-Louis, le bouquet, nous avons arrivé en changeant. Je ne vais pas bien nous faire avec le tribunal ici, la politique, la politique, tout ça, dans la communauté. Et même si nous avons dit que le politique, il y a projet de l'économie qui s'est justement, nous avons fait une manifestation encore une fois devant le pays. Parce que nous concernons, et ça qui a passé en Haïti, ni affecté, ni par le cœur sauté, et après une situation ça, avec ma première envie d'amertume, un peu de tristesse, c'est une. Merci Valéo Saint-Louis et nous avons passé un bon week-end. Nous avons dit que l'administration américaine te fait connaître en la personne du ministre affaires et en fait et secrétaire d'État américain Anthony Blinken te fait connaître États-Unis
pas semble ta gen problème si premier ça est établi rete toujours sous territoire américain. Et puis dans l'autre point cap de mini actualité nous pour aller dans pays d'Haïti côté nèg armé moun pas identifié bien non seulement attaquer résidence privée directeur général police nationale la France LB mais yo pillé le tout et puis yo metté di fait là-dedans Yves Manuel. Bonne Améo saccagé région métropolitaine Port-au-Prince-Lan, côté gen divers attaques, pillages et incendies criminels qui fait incendie ça visé institutions publiques bien privées, y compris résidence chef police nationale là, après un calme apparent de quelques jours dans capitale là. Bonne Améo recommencé action yo même jour autorité yo prolongé couvre-feu dans département l'Ouest-Lan, côté gon état d'urgence qui en vigueur sorti 7 mars pour arriver 3 avril. Baraméo attaqué tout résidence directeur général police nationale d'Haïtien et ont metté du feu dans pénitencier national puis grand prison paysan côté 3000 prisonniers étaient évadés gain de cela 2 semaines. Jusqu'à présent, cause incendie ça dans prison était inconnue même lorsque son prison qui pratiquement vide. Il y a divers actes vandalisme et pillage qui fait tout dans l'université de l'État avec vol matériel, téléviseur, panneaux solaires, équipement, laboratoire et latrier. De l'autre côté, membres groupe armé écrasé barrière également incendié plusieurs propriétés dans la région Bellevue malgré les forts agents unité élite UTAG pour empêcher attaque. Dans un communiqué, l'association médicale haïtienne exprimait quelques assez gagnés par rapport à exact malhonnête ça qui fait sur l'ensemble territoire national là. Notamment pillage, centre santé qui ferme portio, actes violence physique contre personnel soignant dans divers établissements santé publique et privée. Nouvelle action gangyo vini pendant gain diverses démarches qui en cours pour finaliser mise en place conseil présidentiel transition qui t'a doué gain pour mission nommer un nouveau premier ministre qui capable déboucher sous organisation. Merci Emmanuel dans l'autre point de mini actualité concernant conseil présidentiel ça et bien il pas fait unanimité dans pays d'Haïti côté classe politique là toujours une position différente sous dossier là en particulier sous façon que vous voulez mettre sous pied conseil présidentiel ça nous va gêner dans tout simple plus de détails. Certains leaders politiques haïtiens parmi eux ancien colonel Imler Rebu des opinions négatives par rapport à des marches mises en place, il y a un conseil présidentiel 7 membres avec 2 observateurs qui ont gagné comme mission choisi un premier ministre avec un nouveau cabinet ministériel pour remplacer officiellement Dr. Ariel Henry dans tête primature. Le terrain a fait collège présidentiel, ça n'a pas fait un pas en avant. Pas un seul pas en avant. Même si tu arrives installé. Bon. Même si tu arrives installé, qui première mission? Son premier ministre. Oui. Ou imaginez bataille qui a gagné, liste nègre qui a premier ministre qui a là. Bon, on dit que tu as choisi un premier ministre. Troisième bataille. Choisi ministre. Oui. Là, on vient choisir ministre. Nègre qui a gagné. Qui quantité poste ministre qui a gagné? De environ 23 ou 25 ministères. Normalement, dans le cas où il est là, faut nous réduire à 12. Ancien colonel Imler Rebu, qui est président parti politique, grand rassemblement pour évolution d'Haïti, Gré. Avec ancien ministre Yannick Mézil, qui est président parti politique, pense pas quoi pour éviter plus de problèmes dans le pays d'Haïti, eh bien, acteur doit choisir un juge dans la Cour cassation qui est nommé selon les normes légales pour assurer présidence provisoire du pays d'Haïti. Soit juge, soit président pour la cassation, ou bien vice-président, ou bien un qui est ancien. C'est ça la Constitution dit nous. Qui donc nous-mêmes n'en place pas, n'a pas appuyé la Constitution. Et c'est le cas bon pour nous. La bonne décision pour mettre tout le monde tranquille, nous n'avons qu'à aller dans la Cour de cassation, nous prenons parmi les juges qui étaient nommés régulièrement, ils ont la charge de la direction de l'État, et qu'on y a réuni, ils prennent des décisions, laissent ça, tout le groupe qui a voulu dans la rue, ils ne peuvent pas dire que c'est tel groupe qui gagne, ils ne peuvent pas d'accord 21 décembre, ils ne peuvent pas d'accord, ils ne peuvent pas d'accord, Montana, etc. Nous sortis un an. Pendant ce temps, communauté internationale, notamment les États-Unis, Canada, la France, et même pays CARICOM, ont appuyé des marches qui liaient à un collège présidentiel 7 membres et 2 observateurs. Merci Renan Toussaint. Dans notre point de vue d'actualité, avocat cap défendre ancien sénateur Guy Philippe,
avocat cap défendre ancien avocat et ancien sénateur élu Guy Philippe, mais Louis Cher Jean-Joseph en bail position sous musique et comprend sous monde que livre fait partie conseil présidentiel là. Nous va le joindre dans sens ça pour une déclaration. Maître Louis Cher Jean-Joseph. Avocat Guy Philippe, maître Louis Cher Jean-Joseph, rejeté critère CARICOM souligné dans l'accord publié lundi sous création Conseil Transition Présidentielle qui exclut participation ex-sénateur Guy Philippe. Moun qui dit que, et si que vous condamnez en peine affective et infamante, vous dites que vous pas dit si c'est en Haïti ou bien si c'est à l'étranger, pas oublié que. Code pénal, c'est code pénal haïtien. C'est-à-dire que toute disposition qui vient dans le code là, c'est pour Haïti. C'est-à-dire que n'avoir été jamais condamné pour une affective infamante, c'est pour Haïti. Est-ce que tu as une autorité judiciaire qui t'a enclenché une quelque procédure contre le sénateur Guy Philippe? Non. Est-ce que tu as un mandat qui est légalement écrit par une autorité compétente? Non. Donc, c'est-à-dire que arrestation et déportation, sénateur Guy Philippe, il était illégal sur toute la ligne. S'il est illégal sur toute la ligne, il est nul et de non n'a vu. Critère Akora dit Youmoun que la justice accusée, inculpée ou bien condamnée pour crime exclut le conseil là. Journaliste a demandé au département d'État si les États-Unis t'a reconnaître Guy Philippe comme président Haïti s'il t'est élu dans une élection libre et honnête. Responsable a te répondre, l'Ikwe, c'est pas États-Unis seulement, mais en pile pays dans la communauté internationale là, qui t'a considéré au monde la justice condamnée pour plusieurs crimes ou bagages qui très préoccupant. Et ça tabano go qu'est sauté, l'y t'est ajouté. Reportage Maciado Vilme, Port-au-Prince et Sandra Lemaire, Washington. Toujours sur le même sujet, ça, responsable programme alimentaire mondial a lancé appel pour joindre plus d'assistance pour aider Haïtiens qui ont fait face à gangou Sandra Lemaire. Augmentation zak violence qui a ravagé Haïti depuis 29 février, la cause en pile moun gen kè sauté pour crise humanitaire pays a vin pi grave. Yon a abri pour famille qui oblige kouri kite kayo nan Port-au-Prince a fait face avec problème plusieurs centaines moun kap goumè pour repas programme alimentation mondial la distribué. Saint-Alia Tracibil, c'est un marchand de manger qui vit dans l'abria depuis le mois de novembre 2023. Il était couru quitter Kaili pendant une attaque gang. Je ne sais pas si tu es tout, non? Plusieurs milliers de familles vivent dans l'abria à cause de la violence gang dans le quartier. Et puis, dans le monde, ça dépend du programme alimentation mondial là, avec institutions gouvernement haïtien, tant que par exemple défense civile. Affrontement entre gang et la police, ça a été sauté et puis endommagé, puis plus économie fragile là. Ça qui la cause de monde qui est plus vulnérable, qui a en pile difficulté pour joindre manger. Jean-Martin Bauer, c'est directeur PAM. The baseline level of food insecurity in Haiti is 4.35 million people. Les chiffres de base là pour insécurité alimentaire en Haïti, c'est 4,35 millions de monde. C'est un gros chiffre pour un pays qui gagne 11 millions d'habitants. C'est un gros chiffre. PAM a travaillé pour aider 2 millions. L'année passée, nous avons bail 2 millions de monde assistance alimentaire essentielle. Nous priorisons les gens qui sont plus vulnérables. Mais nous avons un gros cas sauté pour 1,4 millions qui prête pour mourir gango. Donc nous concentrer sur ressources nous parmi groupe ça qui c'est ça plus vulnérable à ça qui couri quitter caillou. Depuis grand matin, cuisine centrale PAM dans Port-au-Prince commence à cuire à peu près 14 000 repas pour distribuer bay abri à l'école dans la capitale là. Zak violence gangyo rend une situation qui était déjà grave puis mal toujours. L'ONU dit qu'il y a 360 000 moun qui ont enregistré dans le mois de mars là qui vivent dans la rue. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington.
Merci Sandra. Le maire et un groupe militant haïtien qui a vécu dans la diaspora proposé élargissement conseil présidentiel là pour capable gagner plus mon dans et même dit c'est un conseil que communauté internationale là avec quelques acteurs dans la classe politique a été ensemble. Nous avons une Luxon Saint-Ville depuis Miami, Floride. Le secteur diaspora engagé dit conseil gouvernemental inclusif ça doit gagner entre 11 à 33 membres cap sorti dans tout secteur yo. Mission est stricte ça pral basé sous 5 gros piliers. 1. Choisir un premier ministre qui a seulement là pour liquider les affaires courantes pays a. Organiser une assemblée nationale pour nous gagner un bon référendum. Amendement constitution ou yon constitution tout neuf et réellement important restructuration l'état. Dans restructuration l'état, regroupement ça qui gagne une douzaine organisations dans diaspora proposé pour finir la question président premier ministre là. Yon proposé plutôt yon président à qui yon vice-président. Si nous gon vice-président qui te déjà font une promesse campagne ensemble à président qui élu. Laisse ça, il n'est pas obligé de descendre devant un député corrompu, il n'est pas obligé de descendre devant un sénateur corrompu. Le peuple est déjà élu et il a un mandat 5 ans ensemble avec le président que l'a servi. Dans le même processus de restructuration, il voulait pour une série de hauts fonctionnaires d'État en Haïti aller dans l'élection, même si ça fait aux États-Unis. On juge qu'à juger le peuple. T'as supposé à l'élection que le peuple a élu la communauté, le commissaire gouvernement qui a pris toute décision, ça yo, mais il faut que c'est le peuple qui pour mettre. Nous croyons que le directeur douane, on membre KEP, je pense que c'est le dernier KEP qui a été nommé directeur DGI, par exemple. On a fouillé Rachel dans DGI dans la commune. Pendant ce temps, il n'y a pas d'approbation du peuple. La proposition, ça, c'est que la diaspora a engagé. Prévoit un processus d'examinement qui aboutit à une amnistie. Tout le monde qui est condamné déjà, ça peut être condamné. Pour nous mettre au chita, pour nous dire ça a été fait, ça n'a pas été fait. Et le ça, le gouvernement a eu des yeux sur. Et si toutefois, tu as tombé dans l'autre dérive, ou même dérive, vous avez eu un croix, le ça, vous avez payé ça, vous avez eu amnistie là. Et ou pral payer tout pour ça nouveau crime ou commettre là. Document ça qui présenté by la presse hier mercredi a pral joindre diverses instances internationales tant que CARICOM, Nations Unies et même Maison Blanche depuis Delray Beach dans l'état Floride. Luxon Saint-Ville pour VOA Créole. Et une manifestation de le jeudi à Port-au-Prince contre proposition CARICOM fait pour gagner en place yon conseil présidentiel qui pour diriger pays a jusqu'à ce que l'élection déroule en attendant des manifestants. La raison qui fait nous prendre la rue aujourd'hui, c'est pour nous voir un message clair par la communauté internationale, là, spécialement l'ambassade Canada, les États-Unis, la France et puis le corps groupe. Pour nous dire que Haïti, nous-mêmes, nouvelle classe politique là, nous avons une bagaille qui est importante pour nous. C'est que aujourd'hui, nous prenons des nous remet. Question relation esclave avec maître, c'est au captif, faut que conseil monte, ou bien faut que vous êtes en conseil là. J'en débarrasse, ça nous parle encore. Je dis à c'est nous-mêmes, entre haïtiens, qui prennent le chita autour de nous table, et puis pour nous prendre sans nous bâtir, notre pays a des gouvernements, bicéphales, pour que Haïti sorte dans sa lia. Mais question pour blanc, maintenant tête li, États-Unis, Canada, la France, maintenant tête li, nous-mêmes, nouvelle classe politique, nous-mêmes, jeunes, nous allons soumettre n'importe quel dit nous, ça va exister pour nous. Occident, bataille des Haïtiens, Nelly Carré, suspend, foué, Jolio, suspend, foué, Becco. Non, affaire moun. Je dis à c'est eux-mêmes qui mettez nous là. Je dis à c'est eux-mêmes qui fait visite nous pas à manger. Je dis à c'est eux-mêmes qui fait visite nous pas à l'école. Et me demander, je dis à tout acteur, les qui te dit qu'il y a des politiques, classe politique la crasé. Je dis à nous-mêmes qui parler de nouvelles classes politiques là. Révolution ça, qui vient joindre nous. Nous, dans la bataille là, nous disons bienvenue. Et dans ce sens, nous demandons, sénateur Maurice Jean-Charles, nous-mêmes qui fait alliance avec Paul Guy Philippe là, pressé pour prendre responsabilité. Si on pas prendre responsabilité, on
choisi Morin qui pourra le représenter nous dans primati et yon même pour yon prend président et peuple pas capable encore. Révolté, nous disons esclaves dans l'arrière, nous avons campé pour nous installer gouvernement présidentiel. Il y a trois membres qui gagnent Guy Philippe, juge direct, Madame Sonia, c'est lui nous connaît pour faire bataille là. Actualité à suite sur ce qui a passé parmi dans le monde de, parmi Vedetio, avec que ce soit dans Etiemaïla, avec Serge Rodriguez, avec Jude Onsré. Nouvelle sur Vedetio apprend que le responsable Fayas Festival dans le pays de l'Espagne expose sculpture géant qui est basée sur la guerre avec contradiction qui marchait avec la guerre. Festival ça a pour être dans la ville Valence, qui est basée sur la main, en date 19 mars qu'à ville là. Sculpteur a été utilisé matériel tant que bois, papier mâché pour construire ni noyau ou bien soulever poupée valencienne qui arrivait dans 17 hauteurs. Eh bien, il va le bouler au rapier-thème à 19 mars prochain dans intention pour réaliser un final explosif. Tradition annuelle ça, marqué changement saison 1 avec une fiesta 5 jours qui pourrait rassembler danseurs de rue avec feu d'artifice qui a servi pour commémorer fête Saint-Joseph qui est saint patron Bosch Chapante dans le pays de l'Espagne. Acteur et réalisateur film d'origine irlandaise Pierce Brosnan dit qu'il regrette infiniment de ce qu'il était parti quitter le parc national Yellowstone, États-Unis, après le film recevoir une amende bon côté un juge dans l'État Wyoming, peut-être été proché trop près zone thermique et à ça. M. Brosnan, qui a 70 ans, journée aujourd'hui, qui a voyagé à pied dans la direction sous-thermique là, en tout cas, c'est comme ça, bureau procureur arrondissement Wyoming, qui a lagué parole là, hier jeudi 14 mars là. Pendant ce temps, acteur d'origine irlandaise a écrit sur compte Instagram ni, moi c'est un militant environnement qui gagne pile respect avec amour pour le monde naturel. Et qu'on est à un moment arrivé pour nous passer maintenant, bah, il y a Jude de Ronsquet qui va dire nous ce qui a passé dans Etiemaïla, dans Miami. Investi Music Band, c'est non un nouveau groupe musical qui dérapé officiellement samedi passé dans business musique haïtienne dans l'État Floride. Jazz a été fait grande première ligne dans nightclub Hollywood Live en présence VOA Creole. Nous témoins des chanteurs jazz là qui portaient nom Bonex Petit Frère alias X. Pour qui ça? Jazz a porté nom Investi. Bon, simplement jazz là et raison que fallait l'investir, c'est parce que nous avons toujours voulu simuler un mouvement musique pour mon ouel en tant que business. Parce qu'il y a plein de fois, toujours comme si dans le business haïtien, depuis que c'est musique qu'on fait, c'est comme si on perdait des temps. Même toujours faire mon connaître que depuis que son bagarre a investi l'argent dans son business lié, nous avons voulu faire un jazz pour son jazz qui est venu le performer sur un stage. Même si voulu un jazz qui a un aspect business, depuis que des non-jazz là, où est son business lié. L'autre nouvelle pour journée jeudi, un groupe musique Racine qui portait nom Lacou par arrivé performer dans Miami samedi passé, Jean Saté prévoit. Plusieurs membres groupe là été bloqués dans le pays d'Haïti à cause situation politique là. Manager groupe là qui portait nom Ronald Edouard a porté détail. Et nous était supposé là et pour moi ça pétition nous dans main nous malheureusement tout bagarre bloqué à Haïti. Ambassade pas ouvrir, avion pas volé, donc ça fait que la coupe à là à soir. Eh bien, merci beaucoup, Jude Onsré, pour nouvelle souverain de Dieu. Moi, c'est Sergio Rodriguez. Eh bien, l'autre grand point d'actualité, c'est l'activité qui commençait, en fait, qui recommençait encore sous frontière, dans Paris frontière, et Waname, Dahabong, non, côté construction canal là, qui était campé à cause des problèmes d'équipement, il y a besoin d'un gros équipement pour être capable de finir ce travail là. Bon, finalement, l'équipement, ça a quitté. Contrarié, qui va être venu, eh bien, ni sous place, eh bien, ingénieur, il a commencé le travail pratiquement depuis hier. D'après sa correspondant, nous, Jodler Junior Saint-Ville, dit nous, sous question si là, eh bien, et fermé, il a commencé à préparer pour une l'eau, parce qu'il a commencé à demander de l'eau pour être capable d'user le jardin. En tout cas, c'est ça qui a dominé l'actualité, et puis, nous continuons à suivre pour ça qui a passé. Pendant le week-end, l'actualité a toujours à parler de évacuation étrangère qui dans le pays. Il y a des pays qui disent que il y a pas de moyens pour faire une grosse quantité d'évacuation. Il y a des pays qui déjà commencé déjà, particulièrement les Nations Unies avec les États-Unis, mais des pays qui demandent, même pays et représentants, ou bien encore citoyens qui ont en Haïti, pour suivre et consigne qui a passé, de toute façon, pour protéger tête dans le pays d'Haïti, au moment que les actes violentiels pas suspendre, augmenter, et plusieurs quartiers dit, qu'il y a eu un gros attaque hier encore à cause et inconnu armé qui t'a tiré une sous l'autre, mais qui t'a tiré encore sous propriété privée. Je dis à rappeler, c'est vendredi, c'est week-end, non?
et bien comme d'habitude, j'ai une habitude du lia, soit pour conduire ou pas consommer alcool, et soit consommer alcool ou pas conduire. Dans toute équipe service cœur là, Jean-Marc Verabella et producteur nous, je dis à c'est gentil Augustin Junior, et puis chef service à Sandra Le Maire qui a gardé nous là, et puis Jibélis, et puis Gain Radio, et Capsule et Fête Litoui, gentil. Et radio qui sont affiliés, non? Qui célébré jeudi, qui célébré depuis hier, 14e anniversaire. Li. Eh bien, nous disons tout le monde, gros merci. Passez un bon week-end, quant à moi-même. Nous avons l'autre côté, je parle avec nous de l'autre côté lundi prochain. Bye bye tout le monde.